Exilé depuis 2011, voici enfin les nouvelles pour le président Laurent Gbagbo pour annoncer son retour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara se moque très sévèrement du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Voici les raisons formelles. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Depuis la crise post-électorale de 2010-2011, le président Laurent Gbagbo vit en exil en Europe, traduit à la Grande Justice, aux Pays-Bas, à La Haye. Récemment, lui et son ancien ministre, M. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo a fait une terrible prédiction en ce jour. On a été acquitté par la Cour pénale internationale, en abrégé CP, il y a de cela quelques mois, avait-il rétorqué. À cet effet, depuis un bon moment, l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire est donnée par la grande question du grand retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Récemment, le président Alassane Ouattara a acté l'octroi de deux passeports de M. Laurent Gbagbo afin de lui permettre de rentrer dans son pays d'origine, qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara brise enfin le silence en ce jour. Après l'évacuation de Paris d'Ahmed Bakayoko, Alassane Ouattara se moque du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI et du retour du président Gbagbo. Ainsi reporté à plusieurs reprises, enfin le retour du président Laurent Gbagbo n'est qu'une question de jour en Côte d'Ivoire, selon le Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI et le docteur Assoua Adou. Ce mercredi, le secrétaire général du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI rassure les militants et sympathisants du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, pro Gbagbo et pro Afi, sur le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire d'ici mi-mars. Au cours de son allocution à la grande cérémonie de mise en place d'un comité d'accueil pour le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se moque en ce jour du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, pro Gbagbo et pro Afi, sans oublier l'opposition et le PDC RDA de M. Henri Konan Bédié sur le soi-disant alliance entre le président Laurent Gbagbo et M. Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara se moque des Ivoiriens. Rappelons que depuis le retour manqué de nombreuses personnalités en Côte d'Ivoire, telles que nous avons M. Guillaume Kibavorissoro et le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara avait promis de laisser les exilés rentrer dans le pays d'origine suite à l'évacuation de France d'Ahmed Bakayoko et plusieurs autres personnalités qui ont été arrêtées et incarcérées dans les différentes prisons d'Abidjan, telles que nous avons entre autres Alain Le Bognon, Soul to Soul. Nous y reviendrons, cette affaire à suivre.